Yo, 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 tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On part directement avec Xary et Jill pour le quiz up. C'est quoi le thème? Slogan, non c'est marque. Slogan, non c'est logo. Thème logo, donc c'est parti, ça va s'enchaîner directement. On va prendre le défi des différents viewers. Merci. Donc n'hésitez pas sur le compte qui s'appelle Quiz up Eclipsia. Quiz up Eclipsia, vous pouvez m'envoyer vos petits défis. Je sais pas ce que c'est, c'est des cigarettes, c'est ça? C'est les Gauloises. Très bien, on part sur les Gauloises, donc les logos, faut deviner le logo. Qu'est-ce que c'est de banque? Tout simplement. C'est le Crédit du Nord. Le Crédit du Nord, ouais. Donc le Crédit du Nord, la banque, hein, simplement, du Nord, qui fait des crédits, donc c'est le Crédit du Nord, hein, simplement. Ça, c'est Liverpool. Liverpool Football Club, donc une équipe anglaise, voilà, de légende, hein, finalement, qui est là depuis des années et des années. Ça a resté, toujours été une équipe assez dominante. C'était la Franche-Comté, la Lorraine, putain! La Lorraine, je t'ai dit! T'avais dit Lorraine! Il va nous battre. Non, t'inquiète. Qu'est-ce que ce groupe de rock? Oui. Il fallait qu'on aille vite parce que. Ah oui, je comprends. Parce que là, c'est... Je sais pas ce que c'est. C'était Im? C'est quoi Im? Ils ont fait quoi? Grunge, dark metal. On commence sur une défaite, d'accord. Ça m'a gavé, donc il a perdu. Alors, moi, défiez-moi sur le thème du rap français des années 90, parce que j'y ai joué un petit peu sur mon portable et là, Naruto, je sais que j'étais chaud. J'ai jamais vu Naruto de ma vie. Si. Ah si, t'es chaud. Je connais Sasuke. Voilà, bah c'est ça, c'est bon, nice. C'est la réponse. Ok, c'est parti. 100% c'est une réponse. C'est Sasuke à la fois. Sasuke, si on peut mettre Sasuke en mer, hein, à chaque fois. Très bien, fais ça. Là, ça a bugué. On fait ça. Voilà. Bonjour tout le monde, vous avez manqué aussi. On est contre Julien, apprenti ninja. En fait, Naruto, genre, il est chaud. D'épisodes que... Il apprenti ninja, par contre, il va nous baiser. Ouais. T'inquiète, on va l'éclater, mec. Qui Toby prétendait-il être au début? Mais. Si. Waouh! Oh la ré... Oh la vivacité! Si. Oh mon dieu! Mais non, c'est ça, mais c'est Killer B. Quelle est la seule personne pouvant être le B du Raikage? Ah bah il sait qui. Mec, évidemment que t'es Killer B. Non, mais je compte. Killer B là, Mungusta. Ah, Sasuke. Sasuke, il a perdu l'œil. Il a perdu l'œil. Il a perdu l'œil. Non. 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 Pas ça. Non. Mais pourquoi pas? C'est Sasuke. Moi, je le connais grave bien, Sasuke. Je peux te dire que l'œil. Mais non, mais c'est Sasuke. On s'en fout. Non, c'est Madara en plus. On avait dit au début, on s'est pas respecté. On a dit Sasuke dès qu'on peut. Non, on a dit si à Sasuke. Non, on est pas d'accord. Non, de toute façon, là, on a perdu. Ah, on est pas d'accord. Là, on a absolument perdu. Là, on n'est pas d'accord. Bien joué, ça, la peur. On a perdu. Mais non, mec. C'est Bay mec. Mais c'est qui, lui? Bah, c'est celui qui dure rien. C'est Julien. C'est. Évidemment. Attaqué, bien joué. Kakashi attaqué. Qui est voilà, un mec que je connais assez bien. C'est du Kinjutsu, je pense. Non, c'est du Kinjutsu. Ouais, je connais bien le Kinjutsu. C'est Voilà, c'est... Après, je te le dis, tu me crois pas. Vas-y, tiens, on va faire. Non, mais non. Non. Opa, il nous a mis une réponse. Mais si, c'était le tour bonus. Oui, mais on c'est s'en double. Fout, tu nous as mis des mauvaises réponses. Mais arrête. C'est quoi, ouais, ça? C'est un bolos. C'est quoi le thème? C'est quoi la question? Bah, vas-y. Mais c'est quoi le thème? Bah, je sais pas. Ok, cool. Mec, c'est des maths, c'est dur. Maths facile. Non, c'est trop dur. 14 plus 6. C'est 20. Putain, ça, je suis chaud. Je suis alpha. Dude, va toi. Non, on va faire un chacun. C'est un chacun. Allez, c'est parti. C'est moi. Mec, il répond avant que ça s'affiche. Comment il fait? Non, c'est un temps de latence parce que. Ah, il y a du lag. Oui, il y a du lag, sûrement. Zéro. Pour l'instant, mon cerveau fonctionne. Ce qui est plutôt bon signe. Ah, il peut s'arrêter à tout moment. Quoi? Pas de facile. Ouais. Wow. En fait, j'ai pas. Genre, la question. 111 x 10, les gars. La question m'a choqué. J'ai cru que t'allais mettre moins de début. Comment ça se fait qu'il répond plus vite là? Mais 10 maths facile, c'est pas facile. Parce que lui, ça, je sais pas. C'est trop compliqué. 8 x 3, 24. Wow. Je fais 8 x 3, 24 et après tu rajoutes. Non, mais moi, je suis un con. Ok, bon. Il a perdu. On le sera pas. C'est bon, on a gagné. Il est nul. Il a raté. Ça, j'ai pas eu de mauvaise réponse. J'ai été décent. Ça va. Ah, tu étais décent. Et Eclipsia TV. Par contre, je reçois pas de trucs à français là, je comprends pas. Parce qu'est-ce qui se passe? Les gens s'en foutent en fait de toi. Ah ouais. Tu fermes ta grosse gueule. Tu fermes ta gueule de merde. Merci. Merci. Eh oui, Max, on enlève. Bien sûr qu'on enlève. Évidemment. Il apporte Oh. C'est LRB. J'ai fait. Les questions, je les connais par cœur, c'est trop facile. Bah alors pourquoi tu fais ça? Les plateformes streamées. Moi, j'ai streamé pas mal sur Azubu, un peu sur Justin aussi. Et toi? J'ai streamé des films. Ah, arrête. Oui.
Max. Bon. Il s'est trompé. C'est la meilleure mission. C'est ça dépend. Parce que généralement c'est. Mais des fois pas tout le temps. Parce que parfois, ça arrive que non. Mais pourquoi il s'est trompé le mec? Qu'est-ce qu'on va présenter cette émission? C'est. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que. En face, on avait Romuald Gagnon. Et qui a perdu? Comment il s'est trompé autant de fois? Il a perdu en fait. Parce que trompé, c'est facile. Il s'appelle Gagnon, mais il a perdu. Gagnon, mais il, non, il a pas gagné. Bon, moi, chocolat. Studio Ghibli. Non, mais on va pas faire. Moi, je ne connais rien, moi. On va faire bonbon et chocolat. Après, on a fait maths facile, donc on peut tout faire. On peut faire bonbon et chocolat. On peut faire bonbon et chocolat. Studio Ghibli. Non, mais Studio Ghibli, ça pue. Non, ça pue pas. Si, ça pue. Oh, il y a des cheveux de Jill là. Ah, c'est dégueulasse. Ah, bien joué. Ah, attends, c'est quand même Benjamin. 62. Avec un hâte. C'est un peu un hacker. Ça, par contre, c'est en 2001 qu'on faisait ça, donc fais attention, quoi. Vous voudriez la guimauve en forme d'animal enrobé d'une couche de chocolat au lait, c'est l'ourson, le petit ourson. Bien joué. Très bon travail. Quel enjeu de Pâques, c'est les lapins de Pâques. C'est pas les cloches? Bah non, t'as vu une cloche parler toi? Bah, qui disait avec des mains? Ah non, t'as menti. Mensonge. Mais non, les cloches, elles annoncent que les œufs sont arrivés. Mais oui, parce que les cloches, elles volent pas avec les mains. Mais non, mais les petites ailes, ouais. J'ai déposé les œufs. Eh bien, faisons. Oh, il a mis Balisto, il a mis. Tu penses que c'est un bolos? C'est possible. Attaque, faire des questions du chewing-gum. C'est le chiclet. Chiclet. Il est fou. C'est la... Attends. C'est... Oula. Qui veut dire? La sérendipité, qui est simplement le fait d'extraire en fait les. S'il te plaît, la silas. Bon, là on peut. Moi je sais. 32. Non, 52. Non, il a dit 32, mais c'est 52. Je savais, moi je savais. Mais c'est ça. C'était voilà, ça ressemblait quoi. À toi. T'as Nicolas. Je sais pas. J'ai mis trouver le drapeau, je crois. Ah non, on enchaîne. On enchaîne comme ça, ça y va quoi. Ça... Oh, mais Ghibli. Et ça tape. Non, mais Ghibli. Non, mais Ghibli. On fait Ghibli après. Le chat est mort. Ah, c'est pas le bon. Non, c'est là. Ah, oui, d'accord. Ah. Ah, oui. Oui, oui. Ça parle de bifle, donc c'est là. Nice. C'est quoi? C'est quoi le thème? Waouh, il est top 10. Oh, il est encore au sud. En septembre. C'est trop bizarre. Ça, c'est la Colombie. Non, c'est l'Arménie du coup. C'est l'Arménie. Fais gaffe. Je dis c'est la Colombie, mais c'est pas la Colombie, c'est l'Arménie. Je te dis que c'est l'Arménie. Fais gaffe. Après, il est fort le mec, hein. Fais attention. T'épouses qui sait la réponse, il fait Albanie. Mais c'est normal, c'est un truc de foot. Ça arrête, c'est trop dur. Ça c'est facile. Népal. Eh oui, on l'a fait. 48 heures. Non. Ça peut. Népal, c'est un des seuls drapeaux carrés. 12 heures pour le Pérou. Ça fait Dominique. Ouais, bien joué. Un petit perroquet. Et du coup, Dominique. Évidemment. Ça c'est. Non, c'est Antigua et Barbuda. C'était un des deux. C'était évident, pourtant. C'était évident. Putain, mais on a que des drapeaux durs quoi. Les autos. Je sais pas où ça. Tu dis ce que ça dit ou ça? Non, mais c'est juste en. C'est par juste élimination. Par élimination. Ouais, bien joué. Et ça, c'est. Non, c'était évidemment la. Non. Quasi. C'est transmistrie. Victoire. Bien joué. Très belle victoire. Putain, il y a que des. Il y a que des éclipsias. T'as mis quoi là? Personnage de jeu vidéo. Ok, ça c'est bien. Nice. Pour Jill. Ouf, reste ton cas. Si, t'as envie là. Non. Non, ça va être mal. Chargement des images. D'accord. Allez, Exari. Oh, Mario. The Flash. The Flash. Tu donnes ça au streamer TV2 là. Injustice, bien sûr. Ah, ça, je pas. Oh, j'ai mis une seconde de temps. Trop le bon joueur. Attention. Alice. Bien joué. Nice. Comment il s'est trompé? Je sais pas. All five. All five. All five.
qui s'en fout. Tom Nook, c'est dans... Non, Animal Crossing. Oui. Mais c'est Tom Nook. Oui. Il, à chaque fois, il nous dit de planter des trucs et tout, de faire tout à sa place. Oui. De nettoyer. Je sais pas ça. Attends, le Prince Fou. Prince Fou. C'est Varos Vermillion. Non, en fait. C'était Luca Blight. Ouais. Ouais. Tu sais que... C'est vrai. C'est trop long, je connais. Je connais pas. C'est vraiment trop bien. C'est... Le superviseur. Non. On s'en fout, il a perdu. J'ai mis n'importe quoi. Le superviseur, c'est pas ça. Le superviseur, ça existe, mais c'est pas ça. C'est celui qui est... Fais un petit Harry Potter pot. Parce que, ah voilà, on tombe sur des vrais trucs. C'est quoi ça? Logo de bière. On n'arrête pas de les faire, les logos de bière. Ouais, mais c'est marrant, le logo de bière. Je ne connais pas les logos de bière. Moi, je veux Ghibli. Non, mais Ghibli. Personne ne veut Ghibli. Si, c'est des mangas. Comment ça, j'ai reçu 50 centimes sur PayPal? N'importe quoi. Yo! T'es... Les logos de bière. Ah, mais ouais. C'est bizarre. Non, c'est fort. Moi, je fais pas ça. Moi. Non, c'est nul. Le goût de bière, je ne connais pas. Hein. Mais c'est pas grave, on va faire par non, déduction. Que ce soit clair. On va faire par déduction et on va prouver déduction. Que les publicistes sont forts. Ah ouais. Les logos. Ah ouais, ouais. Là, par exemple, c'est un truc planète. Genre Guinness. Non, mais, non, pas du tout Guinness. Mais non, Guinness, c'est le seul truc connu. Blue Moon. Bah ouais, c'est Blue Moon, tu vois. Mais ah, oui. Ah, mais vraiment, tu as. Tu donnes la réponse non. Avant de cliquer. Mais oui, il me dit c'est une planète machin et... Voilà, c'est une planète. Alors que là, ça c'est un truc de Corona, donc Corona, tiens. Bah ouais, ça c'était facile. Facile. Corona, c'est une... qui est une bière espagnole. Allemande, mais qui fait genre espagnol, type espagnol. Et c'est joli. Ça c'est soleil couchant. Voilà. C'était sol. Ah ouais, évidemment sol. Bah oui, sol. Ah, en plus il y a le S ici, on le voit. Évidemment. Putain, évidemment. T'as fui. Genre vraiment, moi, j'arrête, pas... de, j'arrête de faire. Donne la réponse. Oui, non, mais... Alors... Ça c'est la Bex. Parce qu'il y a marqué Bec. Ah ouais, j'avais pas vu. Ouais, c'est... Je cherchais quelque chose. Ah, moi, c'est de la déduction, quoi. En fait, j'ai vu bébé, j'ai failli... On m'appelle Sherlock. Alors, là, c'est un truc avec un dragon, un quadruple. Ouais. C'est des drac, ouais. Ouais, c'est un drac. C'est un drac, c'est un drac. Bien joué. Exactement. Nice. Et ouais, mon pote. Tout à fait. Comme quoi, les logos de bière, c'est facile. Ça, c'est un truc... C'est un des deux, là. C'est... Moi, je dirais... c'est pas Chang. C'est un truc écrit en polac. Ah bah... Voilà. C'est la Pilsner. Merci. 100%. La Pilsner. Ça peut pas être Chang, c'est un truc en polac, c'est pas... J'en sais rien. C'est rouge. Non, c'était la... Socarrada. Socarrada. Pourquoi? Je sais pas. Non, non plus. Mais on a gagné. Parce que full chat. Parce que full chat. La cité de la peur. Vous voulez un whisky? Non. Juste un peu. Astérix. Vous voulez pas un whisky d'abord? Calme-toi. Non, c'est la cité de la peur. Enfin. Attends, vas-y, change un peu tes airs, ouais, ouais, comme ça. Oh. Oh, ah, ouais. Pourquoi les gars capturent-ils Panoramix pour sa potion magique? Mais mec, t'es sérieux? Mais... Ça peut pas être pour ça, mais c'est trop facile. Mais, je pensais que c'était... Je pensais que c'était plus compliqué. Alors... Qui a écrit le scénario des albums Astérix après la mort de... Oleg Félix. Et bien, c'était Albert Uderzo. Qui dessinait et qui a fait le scénario aussi. Voilà, il l'a repris. Et le port alphabétique, c'est le poissonnier, absolument, qui vend du poisson, qui poissonne, comme un bon poissonnier. Livreur d'Obélix. Il est divin de manière, donc il porte les menhirs sur son dos, et il est livre. Il est libre. Voilà. C'est un livreur. Pas moi. Oh. Chef God dans Astérix chez les Gods, c'est Téléphérique. Téléphérique, hein, qu'on reconnaît à sa coiffure, hein, donc, qui vraiment le démarque de l'autre. Mais Astérix chez les Bretons, quel aubergiste héberge les héros à leur arrivée à Londinium, et c'est, je pense, Britix. Hein. C'était Golix. Un Golix. Golix qui, on s'en souvient, hein, était un personnage assez important de la série. Les albums d'Astérix, combien de fois peut-on voir les pirates faire naufrage? Environ 36. 46. 26. 26 fois. Nice. Mais malgré tout, une victoire de Xaric, voilà, Xaric qui, en termes de bande dessinée, est vraiment plutôt fort. Je vais faire un rap, s'il te plaît. Je Nintendo. Qui ment? Tu veux pas faire un qui ment? Non, ça a l'air dur. Jeux je Nintendo. C'est quoi ça? Des jeux Nintendo. C'est de la merde. Eh bien, faisons les jeux Nintendo. Faisons-les. Allez, c'est parti pour les jeux Nintendo. Quel est le nom du héros de la plupart des jeux? C'est pas Ganon? Moi, j'aimerais bien que ce soit Ganon. Ouais, ouais. Trop fort Ganon. Où se déroule l'action dans Super Mario 64? Plateau de la Princess Peach où on rentre justement dans les tableaux qui deviennent des niveaux entiers. Merci à toi. Quel est le nom du dinosaure vert? Un dinosaure. Je pense que c'est Yoshi. Alors qu'est-ce que Yoshi. C'est un Yoshi. C'est un Yoshi. Yoshi qui veut dire? Je sais
sais pas. Orphelin. Non, c'est Muncha, enfin son nom. Ok. Son nom entier, enfin genre Yoshi, c'est juste un tout petit diminutif. Genre il a un nom énorme. Très bien. Eh bien, il faut chercher sur internet. Si ça vous intéresse. Ah merde, on n'a pas la question. Mais ça bus. Putain, on n'a pas la question. On n'a pas la question. On n'a pas la question. C'était intéressant. Enfin, c'est marrant. Mais t'inquiète, j'ai géré. Donc, pardon. Voilà. Ah. Non, là, ça bug quand ça, c'est que l'application bug. C'était pas mal. Pour bonus, allez, qui a publié non, American Gladiators. Regarde, écoute. Non, ça a bugué de toute façon. Ah. Pourquoi t'as tout enlevé? Mais j'ai pas tout enlevé, ça a bugué. Voilà, voilà, donc ça marche pas mal, hein, ça marche pas mal. Je crois qu'on s'est fait un peu avoir. S'il te plaît. On a été eu. Respecte-nous. Par la technologie. Ah, en même temps. Laisse-moi faire un rap, après je m'en vais. Disney veut faire. Non. Oui. I don't do this. Oh. I don't do this shit. You know, I'm not that kind of guy. Moi, je veux voir du rap. Je sais qu'il y en a. Il y a un thème qui est vachement bien foutu. Genre vraiment, j'aime bien. C'est celui-là. Non mais je me fous de toi. Je ne veux pas jouer à ton truc de. Voilà. Et les questions sont bien. Pourquoi sont-elles bien? Eh bien simplement. Mais arrêtez de me harceler. S'il Trouver vous plaît. L'objet. Comment je veux jouer? Jouer maintenant. Je veux pas d'adversaire. Je joue tout seul. En gros, le thème est bien fait. Pourquoi? Parce que tout le monde peut répondre. Non, pas moi. Si, si. Qui est dedans? Réessayez. Non, mais non, je veux jouer. Laissez-moi. Genre, qui était dans NTM avec Joe Star? Bruno Lopez. Eh oui. Bah, c'est pas Bruno Lopez qui s'appelle? Non, je crois pas. Bah, si. Sûr? Oui. Un doute de ouf. Bon, on va regarder. Bref. De toute façon, je t'emmerde, MC Jean Gabin, à qui il adressait Valence à Cendrillon du gâteau sur le trottoir? Je ne sais pas. À Kenaton. Tu crois? Ouais. On va faire un petit 0 point. Et le nom du rappeur, Maître Gims? Gandhi s'appelle. Quoi? Oui. Non, mais je sais pas, je crois. Attends, en fait, tu vois, il est grave fort. Mais c'est pas un rappeur en même temps. Arrête, t'es grave fort. Ça, je sais pas. Je suis basique, je ne sais pas. C'est Adam J. J'ai mis au pif là. Hein. Tout le monde peut répondre sauf moi, je crois, apparemment. Oh. 88. Enfin, 82. Et ouais. D'ailleurs, 82. C'est comme ça, tu vois. Là, on joue sur les bases. Oh putain. Ça, c'est un bien truc de Bellucci, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il s'appelle. C'est bon, Bruno on passe devant là. On joue à peur gradure. Régis, Fayette Licano. Merde. Et non, c'était Wahan Haj. Eh oui, c'était Wanani Grady. On a ton bonus là. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais. C'est bon. Oh, nice. Et c'est la victoire. Abdoulaye Diarra, voilà. Donc, en fait, c'est des questions bizarres, mais des fois, il y en a que tu vois, tu peux trouver. Tu vois. Mais moi, j'aurais jamais répondu. Arrête. Ne te dénigre pas. Non, mais le rap, j'écoute pas. Donc, moi, c'est bon, je vais aller stream sur la TV LOL. Des bisous. Casse-toi. Et nous, on va faire un personnage télé pour terminer. Tu peux taper un peu sur les listes, tu vois. Bien joué. Bisous, au revoir. Allez, petit personnage vais, je vais passer devant. Le chef. Oui, je vais l'enlever. Mais regarde, tu vois. Ah, je l'emmène. Merde. Bon bah. Est-ce qu'on va gagner un personnage télé? Je sais pas. Je l'emmène avec moi. Je sais pas trop ce que ça va être. C'est moi, chef. Alors. Marielle, on est contre Marielle, putain, une belge. Nice, merci. Au pif. Non mais je suis trop con, en plus il a jamais été bien Spider-Man. C'était merde. J'ai envie de rage quitte. Tellement c'est quoi ces questions hein. C'est Rudy. T'es Déo. Non c'était Denis. 100% c'est Denis. C'est Denis 100%. Richard. Non, c'était peut-être Richard. Mais non, c'était John. C'était John Kennex. On va faire un... Est-ce qu'on a réussi à faire un 0? Non, je voulais mettre lui. Si c'est lui, je m'en veux. J'ai cliqué à côté. Putain, je voulais mettre Tristan Troy. Je savais même pas qui c'est, mais... Mais s'il te plaît! Qu'est-ce que c'est que ça? Samantha Hyde. Mais non, c'était Jackie Burka. Ah, putain, on va perdre. On va faire un 0. Nice. Eh oui! Tellement de la merde.
C'est le pire thème. Dommage qu'on peut mettre des notes au thème. Genre là, je mettrais bien un bon gros zéro. Ça va être l'heure, frérot. Bon, bah du coup... c'est l'heure, frérot. Hein. On fait des bisous, on vous laisse avec... avec qui? Je sais pas. Eclipse Challenge, du coup. Avec Eclipse. Avec LRB. Challenge. Ouais, LRB. Avec Eclipse. Challenge. Challenge. Yes. On est français, donc normalement on devrait dire Eclipsia Challenge. Voilà, Eclipsia Challenge. Voilà, le challenge d'Eclipsia. Du coup... Bah voilà, LRB qui va passer. Moi je passe sur un temps de 14 pour LRB. Je pense qu'il peut faire 14. Il a vu tous les niveaux, à peu près, je crois. Donc il devrait pouvoir faire mieux que Castor. Après, il fera jamais mieux que Quave, mais voilà. Quave est trop fort. Mais non, mais juste Quave a fait 4 minutes de toute façon, donc il est imbattable. Mais Quave après... Il a fait combien? Il a fait 4 minutes pour tous les niveaux. Mais après, Quave... crée et joue très souvent, genre chez lui et tout. Donc voilà. Bref, allez, sur ce, bisous, ciao. Piou, piou.